Donc, on a le droit à des quêtes que je n'ai pas lues, donc on va les ouvrir dès que Hearthstone aura fini de planter. Ce serait bien. Apparemment, il veut pas arrêter de planter. Voilà, donc c'est plutôt parfait. Oh, félicitations Hearthstone. Alors, maître d'armes, jouer 10 cartes armes et gagner 3 matchs. On va faire ça en bras de fer. Alors, par contre, si Hearthstone plante à chaque fois que je change de... voilà, de fenêtre, ça va être plutôt casse-couille, n'est-ce pas? On va se foutre à peu près ici. Voilà, je crois que c'est bien pour Hearthstone, peut-être. On va limite se crop un peu. Voilà, de type comme ça, hein, qualité, voilà. J'ai aucune idée de ce que je viens de bouger. Je bouge des trucs en arrière-plan de OBS. On s'en bat un peu les couilles, voilà. Choisissons. Donc, les quêtes, c'est quoi? C'est gagner? Ça semble possible et réalisable. Une fois que Hearthstone aura fini de planter sa grosse mère, la pute. Déjà, on va fermer toutes les autres mères dans l'arrière-plan, telles que ça. Et ça. Et ça aussi. Non, parce que là, c'est assez insupportable de la part de Hearthstone de faire ça. Arrête de bugger. Oui. Oui. Très bien. Il faut jouer des cartes armes. Avec Garrosh, ils vont nous donner des armes. Ces gentils gens de Blizzard. J'espère. Voilà, alors, on va virer tout ça. Oui. Oui, virons tout. Voilà, on va dire bonjour parce qu'on n'est pas un fils de pute. Pute, voilà. On a déjà joué une arme, la quête avance bien.
Ok. J'ai joué 3 armes pour la quête, donc on va continuer de jouer guerrier, je pense, pour faire cette quête de toute façon. Il nous sort Malfurion le trou de balle. La pire baston de l'histoire. Bien joué. Extraordinaire. On fait des plays extraordinaires sur cette chaîne. Ça sent la défaite en tout cas. De toute façon, on fait ça pour la quête. Et après, on part en arène quand un trou de balle. Un trou de balle. Ce bras de fer est malgré tout bien sympathique. Voilà, hein, nous sommes un trou de balle. Bon, je pense qu'on pouvait pas la gagner de toute façon. Hein. Et puis on fait ça pour les quêtes. Ah, mais merde, il y a une quête où il faut gagner. Ah, c'est plus compliqué ça. Parce que la quête de jouer des armes, on peut la faire avec celle-ci. Mais la quête de gagner, par contre, on va peut-être changer de mode de jeu finalement. Merde. Passons. On a joué 4 armes dans cette partie, donc c'était, ça valait le coup. Passons sur le guerrier nul. Voilà, le pire des guerriers. Ça a l'air bien. Pour ceux qui arrivent, hein, je joue n'importe quoi. Mais ça marche des fois. Counterstone veut bien se lancer. Hein, parce que c'est facile de trouver des games. C'est compliqué de les lancer.
La victoire ou la mort. Vire-moi tout ça. Sauf lui. Parce que j'aime bien quand même. Spécial comme quête, mais ça a l'air sympa. On va taper dans la bouche comme on a une deuxième hache. Oh non, il m'a recassé mon arme. C'était le but. Je joue comme une couille. Ah, il y en a déjà trois. Je sais, j'ai jamais vu ce secret. Oh, ça sent la couille. Il en est à quatre du coup. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, ça sent la marde. Oh, ça sent la grosse couille. Ah, ça sent la grosse enculade. Oh non. Ah. Vos serviteurs ont 5-5. Est-ce que ça marche sur ceux qui sont déjà sur la table? Oh. Oh non. Oh, ce n'est pas bien. Ah, il faut. C'est une carte qui doit jouer. Donc on a un tour de répit là actuellement. En tous les cas, ça va être de la merde. Ah. Je suis dans la caca, voyez-vous.
Ah oui, donc ça marche avec ceux qui sont sur la table. J'ai bien fait de clean. Ouh, ça aurait pu très 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 mal se passer. Oh mais c'est trop fort! C'est trop bien comme secret. Enfin, comme... comme légendaire. Ah, c'est vraiment cool. Alors, on a perdu, mais on aura bien joué. Pas du tout. Pas du tout. On aura joué comme une couille. Je rappelle qu'on a une quête qui est de gagner. Et qu'elle n'est pas gagnée. Ah, très drôle. Quel humour. Quel humour cet homme. Alors là, potentiellement, ce qui nous fait gagner actuellement, tout de suite là maintenant, c'est rien. Au moins, on aura joué deux armes. Bon. Lui dire bien joué quand même, parce que c'était cool comme petit combo secret du cul là. Voilà, j'ai apprécié me faire péter le cul par cet adversaire. Quête. Pardon? Et une victoire! Et voilà, c'est comme ça qu'on gagne! On est plutôt plutôt doué à ce jeu, hein. Il est trop facile ce jeu, vraiment. Une main vraiment pas dégueu là. On peut jouer Berserker tour 2.
Enchaîner avec 100 licor saccagé si on le sent bien, c'est pas mal. Tac, Berserker, comme j'ai annoncé, je suis pas un streamer qui ment. Je suis là pour voilà, raconter des vérités. Et foutre le bordel sur mon bureau. Un appel totémique, très bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Ensuite ça. On peut limite prendre lui. En termes de value direct, je pense que c'est beaucoup beaucoup mieux. Par contre la musique, elle s'énerve, est beaucoup trop forte. Voilà. Donc là voilà, forcément tout de suite il me nique ma race parce qu'il chope le bon totem. Gros casse-couille. Voilà, vous êtes un gros casse-couille, monsieur. Une chance sur quatre, forcément il l'a, hein. Et moi j'ai pas ça, hein. Moi j'ai jamais ça. Voilà, et maintenant j'ai plus rien. Ça commençait bien pourtant. Tant pis. Et son pouvoir héroïque qui est de transformer un serviteur en un serviteur mieux. On va aller loin comme ça, hein. Spoiler, pas du tout, hein. On va se faire péter le cul comme la pire des merdes. Ah. Oh. Putain. Je suis puni, voilà, d'avoir dit que le jeu était trop facile. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Parce que sinon, il n'y a rien de drôle. On a deux execs, rien pour faire proclamer. On a perdu, c'est sûr, on la perd. Casse-couille, dis donc. On aurait pu tenir un poil plus longtemps s'il avait pas eu le bon totem, quoi. Et peut-être même gagner. Ah là, c'est le jeu. Ça me casse la couille. Mais c'est le jeu. C'est pas mal. Eh, allez, on se rassoit pas comme un fils de pute. Du coup, il faut réagrandir un peu ça, voilà. Parfait. Voilà, on va jouer ça comme un gros sale. Ça coûte bien de... Oui, putain, j'ai cru que ça coûtait un et que je venais de cramer des manas dans le vide.
Et là tout de suite, on counter le dégât qu'il vient de nous mettre. On est vraiment très fort à ce jeu. C'est absolument faux. Ok. En termes de musique, on est bien. En termes de gameplay, c'est pas encore ça. Mais ça va venir. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? Oui. Prenons trou de balle. Sogoth le rampant. C'est plutôt très late. Alors on gagne 2 d'armure. On gagne 4 d'armure. Et un petit 5. Extraordinaire. Tout ça pour péter des trucs qui puent un peu la merde. Ça me rend très heureux. D'accord, donc il va nous faire piocher. Est-ce qu'on overdraw? Non, on overdraw pas. On est loin de l'overdraw même. Par contre, on a pioché une arme. Et ça, c'est très bien. La musique doit pas être trop forte pour le stream. Je pense que tout est bon. Vraiment un streamer de qualité. Voilà, forcément il pète mon arme. Sauf que voilà, on est plus malin que lui parce qu'on fait ça. Et on enchaîne sur... Okay. Non, attendez, je fais n'importe quoi. Oui, on va juste faire ça. Avec ça. Voilà, c'est bien. On a failli faire de la merde, hein, comme d'habitude. Et j'ai soif. À chaque fois que je bois, ah, je mets de l'eau dans la moustache. J'ai 8 cartes, il rappelle. Donc au pire il meule une carte là actuellement. Enfin, je me m'auto-meulerai une carte à mon tour de pioche. Et je pense que vu ce qu'on a dans la main, c'est pas trop grave. Ah, donc il clean le board. Bien joué à lui. On va jouer 3 cartes histoire de se libérer la main et de remettre du board. On pourra faire le pal froid au tour suivant, accompagné d'un heure de bouclier s'il y a besoin de clean un gros truc. On est bien. Ah, il s'auto-meule. C'est pas très malin ça. Ok. Est-ce qu'il va le rejouer encore? Non, il assomme ça. Ok. On va
a quand même accès à une exécution de meule assez assez effroyable quand même là. Je dois me refaire un deck meule, c'était marrant. Et il se fout un peu de la gueule du monde quand même. Je crois qu'il s'est meule plus de cartes qu'il m'en a meule. Quoique non, il m'a viré 3 cartes qui étaient sur la table avec... Ouais. Ok. Combien de dégâts là? Ah mais on a ça. Eh, c'est bien ça ou pas? Bien sûr que oui. Ah ça, tu vas pas le péter comme ça, mon gars. Ok. J'ai 10 cartes encore, oui. Disparition encore. Ou piocher une carte. Mais... Ah, il a essayé de piocher disparition parce qu'il l'avait pas. Ou alors il l'a quand même. Je comprends plus. D'accord. Donc il l'a pas. Je pense qu'on va pas se faire chier. On va même tuer ça, tu sais quoi. Je me sens mieux avec ça dégagé du board. On va lancer Overwolf pour avoir Earth Arena tout à l'heure. Et je suis fatigué. Putain, faut que j'arrête de pas dormir. Nique ta mère, je m'en fous de ça. Voilà. Très bien. Et c'est gagné, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Tu nous auras pas comme ça. Et voilà, la prochaine game normalement on devrait potentiellement avoir le truc d'armes et potentiellement avoir la victoire. Tout se passe bien, après on peut partir en arène comme on aura fait 2 quêtes. On aura la richesse en nous. Extraordinaire. Putain. Ah, la fatigue. On va virer saccager. On regarde les deux autres. C'est bien. C'est moins bien, mais c'est bien quand même. Au moins on a la quête de jouer deux armes qui est, on peut dire, faite. Claquer une tout de suite. J'aurais pas tapé avec comme un trou de balle. Un méchant loup 3-2. On va jouer ça. Taper dedans. Voilà. Ça c'est fait.
C'est quoi ça? Un d'agonie, un bug de la merde. Très bien. Un chat de gouttier. Ok. Bon. Adaptation d'une bête alliée. Oh mais non, mais j'ai pas eu le temps de jouer deux armes. Oh, mais quel fils de chien. Quel trou de balle! Mais quel casse-couille! Il pouvait attendre un tour au moins! Après, c'est de ma faute, j'ai eu une trop bonne sortie. Et donc là, on va juste espérer avoir une arme. Une arme en main de départ pour que ça se passe vite. Non, pas d'arme. C'est pas grave, on a une main correcte. Et bah voilà, c'est bon, la quête est finie. Parfait. Bon, c'est très bien tout ça, mais on va changer de playlist. Voilà, on va mettre ça, il y a un peu de tout dedans, et c'est bien. Tac, la quête, fin. Ça c'est fait. Extraordinaire. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette game, on est quand même gagnant. Vous aimez jouer avec le feu. On va taper dedans aussi. Et jouer ce trou de balle là. Ou potentiellement jouer ces deux là au tour d'après. Ça se passe bien. J'ai une carte, c'est un adversaire gelé. We met yesterday at the Tesco, talked about moving to Cisco, whoa, away from the metro. Moving to Cisco, whoa, away from the metro. Yesterday at the Tesco talked about moving to Cisco. Whoa.
yesterday at the Tesco, talked about moving to Cisco. Whoa, away from the metro. We met yesterday at the Tesco. Bon, on a un milliard d'un mur. Mais on perd la game. Tronche, il me balance ça. À chaque fois que vous lancez un sort, je vous en sors de prêtre aléatoire dans votre main. Oh, ça fait mal au cul ça. Très bonne musique en tout cas. Pa 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 la, pa 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 la. Je pense qu'il a un sort de type casse-couille. Ça, c'est une bonne réponse en fait. Insensible au sort ou au pouvoir héroïque. Tu l'as dans le cul, trop de balles. Ok. Popolo, popolo, popopopolo. Allez, bouge ton cul. Faire le plus de dégâts possible au cas où on pioche Garrosh, hein, le Garrosh, il peut être bien. Notre Garrosh, il a un potentiel sympathique. Ok, bon, là c'est tout de suite un peu moins cool quand même. Je m'attendais pas à voir des secrets. Ah bah ça va bien counter Garrosh. Fait chier. Bon bah j'ai perdu. Overwolf. Allez, on va jouer Thrall parce que je le sens bien.
Waiting for you to start Hearthstone. Est-ce que j'ai vraiment besoin de redémarrer Hearthstone là? Quelle add-on de trou de balle. Et putain, le Hearthstone qui prend 1000 ans à se lancer. Oui, mais c'est super, hein. Voilà, Shaman Draft, extraordinaire. Ça, hein, je rappelle, Earth Arena, ça nous annonce le score des cartes en termes de tiers purs. Mais c'est surtout pratique par rapport à... ça annonce sous les cartes quelle synergie elles ont avec quelle autre carte au cas où du deck. C'est quand même pratique, hein, on va pas se mentir. Donc lui par exemple il gagne 5 PV pour chaque élémentaire joué au tour précédent et pour l'instant il nous dit voilà qu'on a un élémentaire qui est le sculpte pierre Tolvir. Mais voilà, à part ça la carte elle pue un peu du cul. On va quand même prendre Medivh. Là le play des KR bien. Après le racketeur est cool aussi. Dégâts au héros adverse, vous piochez du mur de votre deck. Une arme ou le vénomancier. On n'a pas encore de tour 2. Alors, on a Krieg qui échange ses caractéristiques avec celles d'un serviteur allié. Vos serviteurs coûtent 2 cristaux de plus. Ou détruire l'arme de votre adversaire. On va prendre. Apprendre la destruction d'armes, je pense que c'est quand même mieux en arène, on sait jamais sur quoi on tombe. Râle d'agonie invoque une merde. Vous piochez une carte, elle coûte moins cher. Finalement j'aime bien double vue quand même. Découvre une carte avec surcharge et ça me donne surcharge. Ou alors marteau du destin. Marteau du destin c'est quand même bien en arène. Je clean pas mal de couilles avec. L'arme croc-croc c'est pareil. Surtout avec voilà l'arme qu'on vient de choper. Le monde brasier il est bien. Esprit ancestral c'est pas mal. Et ceux-là, ils sont, ils ont une bonne value aussi. Maître des diablotins, ça invoque de la merde, donc c'est cool. Le Zubat, il est pas mal, mais on a quoi? On a qu'un truc. On a qu'un dragon, donc c'est nul. Avec une de deux à chaque fois qu'un de vos couilles meurt, donc c'est super avec la maître des diablotins par exemple. Plus un attaque à chaque fois qu'un serviteur allié meurt. 4-4 c'est consistant. Le champion a l'air bien, le loup aussi, mais je pense que le champion est mieux. Même si c'est beaucoup plus late. J'ai un serviteur, inflige 3 points de dégâts au serviteur adjacent. Ah c'est bien. Ça c'est bien. J'ai un adversaire, bon bah on va faire un deck gel. Hein. Alors, le drake primordial ça a du gros clean. Enfin du gros clean, un clean de 2 sur toute la table. Ouais c'est quand même du gros clean. Provocation, coûte un cristal de moins pour chaque totem invoqué dans cette partie.
On a quoi? À gagner des caractéristiques qui équivalent à votre arme. Offert à un serviteur allié. Invoque ce truc. Alors, on va prendre ce qu'il nous propose. Donne plus 3 à un serviteur et le gel. Ouais. Confère au serviteur l'agonie, envoie cette carte dans votre main. Ça, c'est fort. Je trouve ça fort. On n'a pas vraiment beaucoup de cartes surcharge, donc ça pue un peu le cul. Et sort qui coûte un cristal. Bon, je pense pas que les adversaires en auront tant que ça. Sauf si on tombe sur un paladin secret. Invoque deux squelettes 1-1. Squelette, c'est sympa pour l'autre carte qui invoque des trucs quand on a des trucs qui meurent. Pour le berserker quand même. Alors, une 6-6 pour 5 qui rend des PV à l'adversaire quand elle meurt. Ou alors une 5-5 pour 6 qui coûte moins cher si on invoque des trucs. Ou alors charge chez un adversaire à provocation. On va prendre ça. On va prendre ça plutôt. Ah, et donc là il y a tout qui est un peu mauvais. Bah, vas-y, hein. Le Rock Nicheur il est bien. Ou alors on a provocation sur char. Non, j'aime bien lui. Aimantaire de feu, toujours bien. Ah, gain charge si la main de votre adversaire est vide. C'est pas souvent. Mais ça reste une 4-4 pour 4. Hein. Un deuxième élémentaire. Ah, quoique le psychotron est bien aussi quand même. Le psychotron est bien. Dans le sens où il est bien casse-couille. Avec ça, on met des dégâts sur la table. On va voir les dégâts. Volcan inflige qu'un point de dégâts. Bah oui. Ah, quoique, évolution, c'est bien aussi. Soit on prend un gros clean. Bon, qui tape aussi nos serviteurs, mais ça c'est du clean. Donc, qu'est-ce que c'est que cette musique par contre? Ah, ok. On prend volcan, tant pis. Et maintenant. On va voir comment ça se passe. Probablement mal. Comme toutes mes arènes d'ailleurs. Regardez celle à 3. Finalement, on n'a pas tant de petites cartes que ça. On a une main de gros sale encore une fois. Parce que avoir de l'early, c'est beaucoup trop mainstream. Quand on peut avoir des cartes qui coûtent 12. Voilà, et puis lui il va pas se gêner hein, pour me sortir tout ce qu'il a. Bon, ça me fait chier, hein. Ça me fait chier, mais
On va faire ça. Ça me fait vraiment chier d'y aller comme ça. Arme croc-croc sur une sale couille. Voilà, c'est pas le move dans lequel je suis le plus fier. Potentiellement, il a une arme, donc on va quand même garder ça. On sait pas, on sait jamais. Ça reste un paladin. Les paladins, ils ont plusieurs armes. Faire un choix. En tout cas, s'il a du clean, il va devoir faire un choix. S'il en a pas, il est plutôt dans la merde. Ah, il joue sur un lancer de couteau. D'accord. On va commencer à partir face. Divin, forcément il va avoir provocation. Non, donc il a perdu. Oh, bonne petite game d'échauffement. Ça, on a une sortie finalement qui était pas dégueu en fait. Hein. C'est bien. Est-ce qu'il nous joue un truc tour 1? Non. On va pas se faire chier. Hein. On va pas se faire chier. Voilà, il est obligé de la clean de toute façon. Qu'on a bien fait. Avec son ancien un peu de board. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il a envie de la clean.
la jouer un petit peu slow, je pense. Tour suivant, on peut élémenter un truc. Finalement, j'aurais peut-être dû jouer élémentaire. Alors, un plus 3 attaques à votre héros pendant ce tour. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cette musique.
vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal pour zéro. Que j'ai pas entendu. Merde, c'est pas ça que je voulais jouer, c'était ça. Oh, l'abruti. Oh non. Quel connard de merde. To what I was before. Fun. Oh fuck, je suis un débile. Bon finalement ça va, mais merde. Heureusement que j'ai pioché Croc-Croc là. Bienvenue sur Trou de Balle TV. Alors là c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Hein. Ça ressemble à une troisième victoire. Hein. Oh! Le guédon! Oh le casse-couille. Oh le casse-couille. Est-ce que ce serait pas partir en particulier? Oh! À la recherche, non pas de la vérité. Aventure qui sort un peu de la banalité. Trois zéro, hein.
On en est en 3-0. On a peut-être le meilleur deck du monde là actuellement. Et on le sait pas encore. Par si ennuyé, alors je cherche, je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Si vous pouviez me laquer on Tinder. Non, AT. Savoir-faire. Alors, on va tout virer. On va tout virer. On va dire bonjour. Ok, ok, du calme. Alors, je cherche, je trouverai cette fille qui me tente tant. Non, par contre, voilà, c'est pas le meilleur début quand même là. Après, on a un late qui est assez assez dégueulasse. Hein. À partir du tour 5 là, ça commence à faire des même tour 4. On peut commencer à faire des trucs un peu sales à l'adversaire. Hein. Particulier, cherche partenaire particulière. J'ai toujours zéro viewer. Mais on s'en bat les couilles. Parce qu'on arrive tour 4, donc on peut poser des trucs. Tel que un cochon. Alors je cherche, je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche, je trouverai. Ah, putain, j'ai bien fait de mettre ma playlist en random. Je trouverai cette fille qui me tente tant. Là, on l'empêche de jouer d'autres de ses serviteurs. C'est comme si c'était hospice. Non, c'est pas hospice. Si, c'est hospice funeste. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est comme s'il s'était fait tout seul. Il joue quand même un Argus. Donc, il vient de tuer son Argus. Donc c'est un trou de balle. On vient de jouer un élémentaire, du coup on gagne une carte de ouf. Et on va mettre ça à nos serviteurs et partir face. Oh là, mais ce deck de fou! Ok. Je crois qu'il a perdu. Voilà, c'est ça de se la péter en début de game. Hein. Puni par les dieux de Hearthstone. Hein. On est actuellement en 4-0. C'est bien. C'est très très bien. J'ai l'impression qu'on est déjà tombé sur cette musique par contre. Est-ce que le mode aléatoire se foutrait pas de ma gueule? Si si, on l'a entendu il y a 10 secondes celle-ci. Marteau du destin.
truc. On a une arme qui est très très bien. Ah. What to the head you're to one. A bad name. You give a love a bad name. Shot to the head, you're to blame. You give in love a bad name. You give in love a bad name. Ouh, elle a eu aussi un bon deck là. Oui, de toute façon, on arrive à des nombres de victoires consécutifs qui vont pas nous faire du bien en termes d'adversaires. On va lui taper dans la bouche. Bon, je pense que celle-ci, on va la perdre. Il a l'air d'avoir un deck typiquement meilleur que le nôtre. Coûte un cristal de moins pour chaque carte d'une autre classe que vous avez joué. C'est une arme qui sent un peu le cul quand même. Enfin, en arène, je dis bien. En plus, c'est qu'un salopio. Je vais être forcé de taper dedans. Et ça, après, il va pouvoir le tuer, du coup. Mais comme j'ai joué un élémentaire, je vais gagner un sculpte pierre Tolvir. Ça a l'air compliqué, quand même, hein. Ouais, oh là là, il la tue même pas. Ah, il s'en bat clairement les couilles de mon truc là. On va jouer Monsieur Tour de Cochon. C'est sûrement pas le meilleur truc à jouer, mais je pense que le sculpte pierre aurait pas forcément servi à grand chose. Voilà, il aurait pris un coup de pigeon. Ouais, il a tout ce qu'il lui faut en fait. Il a toutes les réponses. Alors du coup, on peut tuer ça par contre. Et on va poser ça. Oh là là. Oh, il est insupportable. Il a tout ce qu'il veut. Vous défausse de toutes les armes dans votre main et gagne des caractéristiques. Ok. Si 7, 8, 9, 10, 11, 12, potentiellement 13. Je suis obligé de jouer ça. J'aurais même dû jouer le glouton, je suis un débile. Il a encore une réponse. Un truc avec vol de vie. Il me faut la croc-croc. Il me faut la croc-croc. Oh!
ce top deck du cul. Salut Moongard. Je suis un putain de génie à ce jeu. Oh là là. Et on chope la croque-croque en or. Putain. Mais qu'est-ce qu'on est bon. What the fuck. Oh, c'est la meilleure arène de toute ma vie, hein. Putain. Qu'est-ce qui se passe. C'est extraordinaire. Oh là là, et puis on gain le follow de Moongard. Bienvenue à toi, tu partages désormais tes fluides corporels avec le reste de la communauté. C'est un peu sale, mais t'inquiète pas. Extraordinaire. On vient de faire la game de notre vie là, hein, contre la voleuse. J'étais sûr à 1000% qu'on la perdait, hein. Par contre là on a toutes les grosses cartes dans la main et c'est pas très propre. Voilà, j'aime quand même moyennement ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi pas. Oh. On va geler mon glouton. Forcément là il va nous sortir une arme. Parce que pour l'instant il n'y avait aucun bâtard qui avait une arme quand j'avais le limon. Je pense que c'est quand même une bonne idée de faire ça. Vu qu'on a que des grosses cartes de toute façon. Par contre, ouais, c'est quand même mal barré. Hein. Ok. Ouais, tout clean. Ça nous coûte cher en point de vie. Mais du coup, on va pouvoir revenir dans la game là, élémentaire. On peut faire des trucs là. Hein. Tour suivant. Enfin, tour suivant. Les tours qui arrivent là. Donne +2/+2 à un serviteur. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Ok. Bah là, on va pouvoir faire ça du coup. Avec ça. Passer notre tour. Tour suivant, on peut claquer un truc à 5. Oh là là, cette arène de folie, putain. C'est ultra late as fuck notre truc. On peut aussi champion de Hurlevent au cas où, mais bon, je pense que Mandebrasier est quand même beaucoup plus fort. Ah, quoique. Du coup, finalement. Finalement, je vais jouer ça. On va quand même clean ça, j'aime pas les paladins, ils ont tout le temps des boosts. Alors. Ah la 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 la. Do-do-do.
jouer lui parce que c'est un élémentaire et donc on perd pas le, le bonus élémentarial de nos autres cartes. Oui, que ferait Uther? J'ai froid. C'est l'heure de votre éloge funèbre, vos autres murlocs sont boostés. Du coup, on va jouer ça. On va jouer comme ça. C'est peut-être de la merde. On gagne toujours. On a toujours le bonus de type élémentaire pour lui. Donc on a potentiellement tour sur un taunt bouclier divin et un autre taunt. Je pense que c'est pas mal. Après c'est potentiellement un mec qui est en 5-0 aussi. Donc il est peut-être il a peut-être des trucs forts hein. C'est pour ça on sait pas. Ouais, je pense que je vais pas me faire chier et je vais poser mes deux taunts. On va les placer comme ça. On va taper face maintenant. Je vous salue. Qu'est-ce qu'il va faire? Égalité consacre. Est-ce qu'il a est-ce qu'il y a vraiment égalité consacre là? Non. Ah. 6-0. 6-0. La meilleure arène de ma vie hein. Je pense que à partir de maintenant on va prendre Shaman un peu plus souvent. Ça a l'air fort quand même comme classe. Non, mais ta mère, ça fait 6 fois que tu me la mets celle-ci. Ouh, ça c'est bon ça. Ouh, ça c'est bon ça. Allez, trouve-moi une game. On va tout garder. Je sais pas si c'est le bon choix. Élément
il nous sort des vrais trucs. Il nous sort des vrais bails de l'espace. Nous, on va faire ça, ça. Nous aussi, on a des réponses de l'espace, t'inquiète pas. Tour suivant, on peut sculpt mon cul et... Voilà, on a moyen de poser des trucs. Hein. C'est chiant. On va voir comment on peut s'en sortir. Là, je mise sur le fait que finalement on a 3 dégâts dans sa bouche. Ça, c'est beaucoup de dégâts en beaucoup de tours, mais c'est beaucoup de dégâts. Ouais, je peux pas vous mentir, elle est quand même mal barrée celle-ci. Hein. Plus le tracker de cartes vient de se shield sur la jambe. Ah! Et du coup, non, on va faire ça. On va faire ça, poser lui. Tour suivant, au cas où on médive. Et après, on peut volcan et médive nous invoque de la merde. On va faire ça. Hop. On va médive, on va poser ça, on va claquer ça. Ça fait quand vous avez un sort, invoque un serviteur, ouais. Parce que voilà. Il y a moyen qu'il clean Medivh, moi avec Volcan je clean le reste. Ça m'invoque un serviteur par au-dessus. Donc la clé, on va claquer ça. On invoque Monsieur Cible en vue. Ok. Ça c'était prévu. Ça c'était pas très prévu. Du coup, on va avalanche
C'est de la merde, j'ai l'impression. J'ai l'impression de faire de la merde. Ok. Alors je voulais taper l'autre carte mais j'ai bugué. Du coup j'ai pas tapé la bonne. Mais je pense qu'on est quand même... Finalement c'est pas si mal. Pas de limite d'attaque par tour peut attaquer. Ne peut pas attaquer les héros. C'est ça? Je crois qu'on a encore gagné. Putain! On est actuellement en 7-0. Putain d'arène Hearthstone. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas habituel hein. Et je vais couper mon réveil hein, qui devrait sonner dans quelques minutes pour me voilà, rappeler d'aller faire des courses. Sauf que je partirai faire des courses après cette arène. Et putain! Qu'est-ce qui se passe, merde? Le tracker, par contre, il s'est chié dessus, donc on va le redémarrer. On va tout virer. Allez, claque-moi un petit Earth Arena compagnon truc là. Ok, nickel. Bon, alors je crois pas qu'il y ait l'update des cartes qui soit up, mais au moins on a la decklist. Encore une fois, c'est pas une main de départ ouf, mais on va se démerder comme on peut, hein, comme à chaque fois. Finalement, quand on regarde nos mains de départ, ça a jamais été notre point fort. Donc, voilà, c'est finalement ça peut aller. Hein. On va taper là-dedans. Si moi j'ai pas mon pouvoir héroïque, c'est-à-dire que lui non plus n'a pas le sien. Ça change rien ce que tu tapes de toute façon là. Moi j'ai peur en tout cas des mages. Je crois qu'on n'a pas croisé un pour l'instant. Et ça allait bien jusque là. Maintenant, voilà, j'aime pas trop ce qui est en train de se passer là, par exemple. Il nous sort des trucs, voilà, ça fait peur. On va aussi poser ça, je pense, sans rien. Tour 6, on a un taunt, on a aussi avalanche, ce qui est bien.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, elle va les tuer ces trucs donc. Pff, oh là là. Ça sent la merde, hein. Ah non, j'aime pas les mages. Ça sent le caca, tout ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est une défaite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut. Le Primordial Drake, peut-être? Qui peut nous faire tenir un petit peu? Non. Ouais. Bien joué. Oh, fait chier. La fin de notre série extraordinaire. On va relancer Earth Arena parce que c'est de la merde. Hein? Oui, oui, Earth Arena compagnon, c'est bien de toi que je parle. Trou de balle. Hein, qui pense que je suis toujours en 7-0. Trop de balles. Voilà. Les mages, c'est de la merde. Et là, forcément, du coup, on va plus tomber que sur des mages. Et notre arène va s'arrêter à cette victoire. Et on l'aura bien dans le cul. Oui, la victoire défaite de l'arène est toujours pétée en haut, donc on va le cacher. Avec le petit monsieur pour avoir la vraie en bas à gauche. On va garder double vue, on va virer les deux autres. Et on garde le berserker, on a Braloc. Braloc. C'est bien, c'est une bonne main, j'aime bien. On va dire salut quand même. Ça c'est bien et pas bien en même temps comme totem. J'aurais préféré celui de Taunt évidemment. Il nous sort un Murloc. On va faire la même. On va faire la même. On va jouer un Murloc.
qui arrive le tour suivant en tout cas. Balayage pour biais. Oh, Malfurion le putride qui part. Ça, ça peut être très 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 bien par contre. Hein. Là actuellement, on est très très heureux. On va cramer ça. Si tu pas mon élémentaire, je peux le champion. Ok. Ok. Bon, il le tue. En culasse. Ça fait mal au DH, hein. Comme ça, hein. C'est malheureux, mais là on n'a pas trop le choix. Il nous faut du clean là. On va la perdre, hein, encore. On va sans aucun doute la perdre. C'est la merde as fuck. Je suis sûr qu'il a de quoi me tuer en plus dans sa main. Genre un petit balayage. Il attend le tour suivant, hein, pour me faire le balayage. Là il pouvait me tuer, hein. Il a toujours un balayage dans la main et c'est un fils de pute et il attend. Parce que là il pouvait me tuer, hein. Donc soit il a miss létal, mais ça m'étonnerait. Je pense que là il fait exprès. Il se fout de ma gueule. Comme le pire des trous de Baal. Je pense vraiment qu'il se fout de ma gueule et qu'il a un balayage.
Ça, je suis sûr la carte de gauche là, hein, c'est balayage. Hein. Et il attend pour me le mettre dans la tronche ou un truc similaire. Hein. Donc il avait pas de balayage, donc il a vraiment misplay tout à l'heure. On a eu aucun élémentaire, je crois. Si, on est déjà eu. Merde. Putain, c'est quel bordel. Il gagne là, c'est un balayage. Sept feux follets à 1, mais quel fils de fion. Thème de taunt, on a perdu. Bien joué. Ah, quel game! C'était notre seul moyen de gagner, hein, d'avoir un totem de taunt maintenant. Voilà, sinon c'était foutu, donc c'est foutu. Pas de bol, mais bonne game. Il se fout de ma gueule, hein. C'est une bonne game. En tout cas. Et c'est parti. Peut-être la dernière arène. Peut-être pas. On va voir. Bon, 7-2 en arène.
voilà, on s'approche peut-être de la fin de l'arène là, hein. Nos dernières games étaient pas. Enfin, elles étaient sympathiques, mais bon. Voilà, elles étaient pas gagnées quoi. Et là, on a une main un peu sale encore une fois. On vient d'avoir le bon totem, donc c'est bien. Mais on est quand même dans la merde, hein. On est bien bien dans la merde. Ah merde. On va être limite obligé de marteau du destin là maintenant pour clean deux trucs. Est-ce qu'on a une meilleure option là? Non, je pense que c'est le mieux à faire. Ah, ça me fait mal au cul. Ça sent l'arène qui se finit en 7-3 tout ça. Hein. Ça pue du cul l'arène qui se finit en 7-3. Oh c'est fort ça. Franchement là, qu'est-ce qu'on a de bien à faire? Je pense que le mieux c'est quand. Ça me fait mal au cul hein, mais je vais devoir taper deux fois dedans. Ou pas. On va juste le tuer. La question c'est est-ce que je laisse le Yeti en vie ou pas? On va laisser vivre le Yeti. On va laisser vivre le Yeti, ça va nous mordre la fesse. Voilà. Et voilà, ça nous mord la fesse. Bon, finalement, ça change pas grand chose. Mais... Après, l'arme croc-croc ne nous fait pas gagner cette fois. Je veux dire, l'arme croc-croc nous fait gagner. Non. Pas là. Du coup, on va. Waouh, c'est triste. On va taper deux fois dedans. On n'a pas trop d'autres choix là, hein, malheureusement. Ah, c'est la merde! Putain, on a été jusqu'en 7-0 et là on va faire 3 défaites d'affilée quoi. Ah, il pioche des armes. Bon bah c'est fini je crois. Oh là là, bah bien joué. Et bah quand même 7-3, hein. C'est pas mon arène la plus dégueulasse. Putain, on a fait jusque 7-0, ça me fout le seum de perdre comme ça 3 games d'affilée. Ah! Tant pis, ça arrive, c'est le jeu. 7-3, c'est bien. On a une jolie clé. On a normalement deux jolies récompenses aussi à cette victoire. Hein. Je pense que c'est pas des récompenses desquelles on peut se plaindre. Ah, 160 gold, donc voilà, l'arène remboursée. Un paquet de cartes et 25 gold. Donc parfait. Hein. Si je pouvais faire cette victoire à toutes mes arènes, je pourrais faire des arènes toute ma vie en fait. Yo, Medivh le mage.
Comment vas-tu? Brigham Valkyr, de la merde, comme d'habitude. Malheureusement pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, j'ai plus rien dans mon frigo et je vais devoir aller faire des courses. Ce qui est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que voilà, c'est bien sympa de passer maintenant, mais c'est trop tard. Sinon, moi je vais bien. Hein. Du coup, voilà, je suis désolé. Hein. Je vais faire mes courses. Après, je refais normalement du Hearthstone ou un autre jeu après mes courses. Et ça devrait pas me prendre plus d'une heure, vu que c'est pas très loin. Donc, voilà. Hein. En tout cas, merci pour le follow, Medivh, hein, puisque je vois le follow actuellement. Voilà, tu deviens tout à coup tout musclé. C'est sympa. Donc oui, je stream par contre assez souvent, hein, et à des heures assez aléatoires, je préviens quand même. Voilà, c'est quand je le sens, hein, que ce soit à 3h du matin, à 5h du matin, à midi, ou à 18h. Ça, voilà. Du coup, je reviens tout à l'heure. Enfin, tu as le corps d'un dieu. Je suis sûr que tu as toujours eu le corps d'un dieu, Medivh. Au revoir. C'est pas celui de Bouddha. Carrying around a 50-pound box.